Très bien. Allez, on revient. Et je sais pas où on va, tiens. C'est bizarre que le désert Gerudo soit là-bas maintenant. Je comprends pas grand-chose à la carte, cela dit, mais bon, soit. On va pas s'embêter avec ça. Allez, go! Allez, va-t'en, poupoule. Pouette, pouette. Mince. Vilaine graine majeure. Oui. Je savais que j'allais prendre cher à la sortie. Ok, ça c'est bon. Test décalage. Ah. Tu m'écris s'il faut que je relance. C'est pas trop grave ça encore, je le fais vite fait. Non, c'est bien revenu comme il faut, mais c'est vrai que ça peut... Ça peut être embêtant. Enfin, moi j'ai pas de décalage dans le jeu, c'est sûr, mais... Par rapport à ce qu'il y a en ligne, c'est vrai que je peux pas voir. Apparemment, ton test décalage a l'air de passer. Oh non! Ouf! Oh le grappin! Finally something. Bon, on continue. Ah oui, il y a le donjon du lac Ilia. Bon, c'est parti. J'ai complètement oublié qu'il y avait ce donjon. Je cherchais le désert Gerudo, mais au final, on va faire celui-là. Allez, déjà, on va réveiller Francis là. Et oui, nous sommes les. Eh bien, monsieur, chef. Voilà. Ouah, des fantômes m'avaient jeté un sort. Merci de m'avoir sauvé. Tiens, pour te remercier, je te donne cette palme. Merde. J'ai tiré une flèche. Pardon, mince. Ok. Maintenant, je peux aller là-bas. Allez hop! C'est parti pour la caverne gelée. Go! Je me souviens qu'on en avait un peu... On en avait sué. Là, je me suis fait éclater dans un coin, j'ai pas aimé. Je peux pas sortir de l'eau. Oh là là. Wouhou.
Ogre. Go. Vous savez de quoi on n'a pas parlé depuis un moment? Du carré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du carré. Et c'est bien dommage parce que le carré c'est tout pour moi. Mince, il était en diagonale. Allez, banque. Hein. Ah, les squelettes, je les ai atomisés. Tant mieux, ça a dit. C'est une stalactite, ça? Ah oui. C'est quoi, ça? Un anneau perçant. Une torche. Oh mince, mais tout est devenu... Je me fais tuer par un point d'interrogation. Je sais même pas quel boss c'est. Ok, c'est un caillou. Tant mieux. Je suis le point de l'interrogation. Oh non, mais ça va durer longtemps. Oh non, c'est moins drôle par contre. Non, j'aime plus trop. Et j'ai détruit la caillasse. Tout fonctionne. Bon alors. On continue. On s'arrête pas. Tout va bien. La ponctuation est toujours mon ennemi. Oh, le boss, ça va être un gros point de... Tu crois que le boss de fin du donjon, ça va être un gros point d'interrogation énervé? Ce serait super drôle. Oh punaise! Un gros point d'interrogation. Ah, ça me ferait vraiment rire par contre. Ok, la grande clé. Y a pas de cœur ni rien, à part celui-là là-bas. Non. Attends, y a quoi derrière là? C'est quoi? Bah, je sais pas. Tant pis. La masse de le titan. Très bien. Ok, Non, en vrai, là, c'est... C'est pénible. J'ai pas de feu, je peux pas le faire fondre. Non, mais je vais vraiment avoir un boss point d'interrogation, là. Bon, bah, c'est parti. C'était quoi comme boss, ça? Ah oui, le sorcier. Voilà une autre occasion d'engendrer une créature digne de moi. J'avais donné tout ce que j'ai, mes deux dernières tentatives étaient très clairement imparfaites. Ce rituel sera le plus puissant que j'aurais jamais créé. Que le pouvoir de l'eau fasse couler dans mon haut bois une froidure de glace. Et voilà les mages. Enfin. Non, ça va, c'est pas un point d'interrogation pour le moment. Pour le moment. Non, c'est pas un point d'interrogation. C'est dommage parce que ça m'aurait vraiment... Bref. À moitié. C'est le hautbois de la ponctuation. Je trouve ça vraiment drôle. Sans déconner, je trouve ça très très drôle. Il a beaucoup de vie, je trouve. Il en avait autant. Ah, les pouvoirs de la ponctuation énervée. Enfin, la ponctuation interrogative. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête! Mais... Ah! J'ai fait n'importe quoi. Il reste un point de vie. Ok, c'est bon. Mais dis donc, la ponctuation, elle a failli m'éclater la tronche.
D'abord ça. Et après, l'instrument mystère. Le petit hautbois. Ah. Impeccable. Impeccable, impeccable.